défis que j'ai eu à surmonter à l'étranger et bien sûr de s'adapter. On ne travaille pas de la même façon au Japon, on peut le travailler aux États-Unis, ils ont des codes différents dans chaque pays, mais étrangement, ce qui est universel et que j'ai beaucoup apprécié, c'est le dessin. Lorsque vous dessinez, il n'y a plus de barrière. Aujourd'hui, il faut continuer à être présent, donc il ne faut jamais penser que c'est acquis. Et puis je crois que la curiosité, l'enthousiasme doit rester intact si on veut continuer dans les années à venir.